fait, c'est un outil qui permet à n'importe qui, puisque c'est gratuit, il suffit d'aller sur twitter.com et de créer son compte, de publier des micro-notes de 140 caractères vers les gens qui ont désiré les suivre ou pas, donc après eux, vers sa tribu. Ça vient tout simplement de tweet en anglais, qui est le pépiment de l'oiseau. What is this place? It's a magical world! With Twitter, you can tell everyone what you're doing or thinking at all times! Et c'est vrai que c'est un peu comme ça, c'est des petites notes très brèves qu'on a envie de partager. Alors ça peut être des liens, ça peut être des faits, ça peut être ce qu'on pense, ça peut être ce qu'on fait. Mais en tout cas, quelque chose qui en théorie a suffisamment d'intérêt et de valeur pour que ça soit partagé avec les gens. Donc finalement, on parle un peu de live casting, de diffusion de sa vie. C'est voilà, vous pouvez vous inscrire ou vous abonner à l'AFP de la vie de vos amis pour être finalement prendre une comparaison. Donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau, que quelqu'un vraiment pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à partager avec son entourage, bien, il va le poster sur Twitter. Alors effectivement, il peut aller sur le site twitter.com, il peut utiliser son mobile, donc c'est aussi un des intérêts, c'est la grande réactivité, puisque les gens peuvent être en déplacement ou pas forcément devant l'ordinateur pour parler de quelque chose. D'ailleurs, on l'avait vu au moment de la torche, du parcours de la torche aux États-Unis, les manifestants utilisaient beaucoup Twitter depuis leur mobile pour savoir où la torche était en train de passer. Pour les Jeux Olympiques. Dans la rue, voilà, pour les Jeux Olympiques, tout à fait. Et puis après, il y a même des espèces de petits logiciels de messagerie, comme Twill ou TweetDeck, qui vous permettent finalement de garder votre Twitter ouvert en permanence dans une application sur votre ordinateur sans devoir aller sur le site tout le temps. Donc on va dire effectivement, il y a plein de moyens de pouvoir le consulter, le publier, mais finalement c'est la diffusion simple, efficace de petites pensées, de petites notes d'une personne vers son entourage.